Écoutez et répétez l'alphabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Écoutez et répétez 1 2 3 Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze. Seize, dix-sept, dix huit, dix-neuf, vingt. Répétez encore un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt Les jours de la semaine sont lundi. Lundi. Mardi. Mardi. Mercredi. Mercredi. Jeudi. Jeudi. Vendredi. Vendredi. Samedi. Samedi, dimanche, dimanche. Écoutez et répétez. Lundi, mardi, mercredi. Jeudi, vendredi, et samedi, dimanche. Au revoir. Salut, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va bien. Salut, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va bien. Bonjour Marc, tu vas bien? Ça va, ça va, et toi? Je vais très bien. Bonjour Marc, tu vas bien? Ça va, ça va, et toi? Je vais très bien. Bonjour, comment allez-vous Je vais très bien, merci. Et vous Je vais très bien. Bonjour, comment allez-vous Je vais très bien, merci. Et vous Je vais très bien. Bonjour, ça va Pas mal, et toi On fait aller. Bonjour, ça va Pas mal, et toi On fait aller. Salut, tu vas bien Super, et toi Ça va, ça va. Salut, tu vas bien Super, et toi Ça va, ça va. Comment ça va, monsieur Jean ce matin Oh, bah, comme un lundi, et vous Oh, bah, comme une vieille. Comment ça va, monsieur Jean ce matin Oh bah comme un lundi. Et vous Oh bah comme une vieille. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes Julie Oui, et vous êtes Stéphane C'est moi. Très heureux de faire votre connaissance. Moi de même. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes Julie Oui, et vous êtes Stéphane C'est moi. Très heureux de faire votre connaissance. Moi de même. Bonjour. Bonjour, je suis Charles Duplein. Ah, Monsieur Duplein, nous vous attendions. Oui, j'ai été pris dans les embouteillages, je suis désolé. Ne vous inquiétez pas, la réunion n'a pas encore commencé. Bonjour. Bonjour, je suis Charles Duplein. Ah, Monsieur Duplein, nous vous attendions. Oui, j'ai été pris dans les embouteillages, je suis désolé. Ne vous inquiétez pas, la réunion n'a pas encore commencé. Au revoir. Bonne soirée. Merci, vous aussi. Au revoir. Bonne soirée. Merci, vous aussi. Bon, je dois y aller, je vous laisse. À très bientôt. Tu donneras le bonjour à Marise J'y manquerai pas. Bon, je dois y aller, je vous laisse. À très bientôt. Tu donneras le bonjour à Marise J'y manquerai pas. Bonne soirée à tous. Vous partez Oui, je suis fatiguée. Ok, alors à bientôt. Bonjour à votre femme. Je lui transmettrai. À très bientôt. Bonne soirée à tous Vous partez Oui, je suis fatigué. Ok, alors à bientôt. Bonjour à votre femme. Je lui transmettrai. À très bientôt. Bonjour Madame Ramzy, comment ça va aujourd'hui Oh, ça va bien. Et vous, toujours occupé Toujours occupé. Allez, je dois y aller. Bonne journée Bonne journée. Travaillez bien Bonjour Madame Ramsey, comment ça va aujourd'hui Oh, ça va bien. Et vous, toujours occupé Toujours occupé. Allez, je dois y aller. Bonne journée. Bonne journée, travaillez bien. Bonjour Monsieur Duchesne. Bonjour Marise, vous allez mieux Ça va mieux, merci. Tant mieux. Allez-y doucement aujourd'hui. Merci, je ferai attention. Bonjour Monsieur Duchesne. Bonjour Marise, vous allez mieux Ça va mieux, merci. Tant mieux, allez-y doucement aujourd'hui. Merci, je ferai attention. Bonjour, ça ne va pas euh, Salut, euh, oui, j'ai mal au ventre depuis ce matin. Tu devrais aller voir un médecin, tu es tout blanc. Oui, tu, tu as peut-être raison. Bonjour, ça ne va pas Salut, euh, oui, j'ai mal au ventre depuis ce matin. Tu devrais aller voir un médecin, tu es tout blanc. Oui, tu, tu as peut-être raison. Bonjour, ça fait longtemps. Bonjour, oui, ça fait bien un an, qu'est-ce que tu deviens Pas grand-chose, mais c'est à toi qu'il faut demander ça. Alors, tu en es où Eh ben, c'est une longue histoire. Tu viens boire un café Bonjour, ça fait longtemps. Bonjour, oui, ça fait bien un an. Qu'est-ce que tu deviens Pas grand-chose, mais c'est à toi qu'il faut demander ça. Alors, tu en es où Eh ben, c'est une longue histoire. Tu viens boire un café <music> Être. Je suis. Je ne suis pas. Tu es, tu n'es pas. Il est, il n'est pas. Elle est, elle n'est pas. On est, on n'est pas. Nous sommes, nous ne sommes pas. Vous êtes, vous n'êtes pas. Ils sont, ils ne sont pas. Elles sont, elles ne sont pas. Habiter. J'habite, je n'habite pas. Tu habites, tu n'habites pas. Il habite, il n'habite pas. Elle habite. Elle n'habite pas. On habite. On n'habite pas. Nous habitons. Nous n'habitons pas. Vous habitez. Vous n'habitez pas. Ils habitent. Ils n'habitent pas. Elles habitent. Elles n'habitent pas. Travailler. Je travaille. Je ne travaille pas. Tu travailles. Tu ne travailles pas. Il travaille. Il ne travaille pas. Elle travaille. Elle ne travaille pas. On travaille. On ne travaille pas. Nous travaillons. Nous ne travaillons pas. Vous travaillez. Vous ne travaillez pas. Il travaille. Il ne travaille pas. Elle travaille. Elle ne travaille pas. Allez, je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Je vais à Paris. Je ne vais pas à Tokyo. Tu vas à Lyon. Tu ne vas pas à Berlin. Il va à Toulouse. Il ne va pas à Séoul. Elle va à Marseille. Elle ne va pas à Pékin. On va à Nantes. On ne va pas à Sydney. Nous allons à Montpellier. Nous n'allons pas à Londres. Vous allez à Milan. Vous n'allez pas à Pékin. Ils vont à New York. Ils ne vont pas à Rome. Elles vont à Brasilia. Elles ne vont pas à Montréal. Je vais à Paris. En France. Tu vas à Tokyo. Au Japon. Il va à Séoul. En Corée du Sud. Elle va à Pékin. En Chine. On va en Australie. À Sydney. Nous allons au Royaume-Uni. À Londres. Vous allez en Italie. À Milan. Ils vont à Rabat. Au Maroc. Elles vont à Alger. En Algérie. Je prends quoi alors Des pantalons, des pulls, des chemises. Je mets combien de pantalons Tu mets deux pantalons, s'il te plaît. Rouge, bleu, noir. Tu mets un pantalon bleu et un pantalon noir. D'accord. Les chemises, elles sont où dans le meuble. Je ne trouve pas les chemises. Non, elles ne sont pas dans le meuble. C'est dans le petit meuble près de la fenêtre. Les chemises sont dans le deuxième tiroir. Ça y est. Et après, je mets quoi Le dictionnaire électronique. Un cahier et des stylos. Je ne trouve pas le dictionnaire électronique. Il est sur l'étagère, derrière le canapé. Et le cahier Le cahier. Il est sur la table. Vocabulaire. Le pantalon. La chemise, le pull, le dictionnaire électronique, le cahier, le stylo, l'étagère, le canapé, le meuble, la fenêtre, le tiroir, sur, devant derrière sous dans rouge bleu noir Un, il y a combien de pantalons dans la valise Deux, les pantalons sont de quelle couleur 3. Il y a quoi près de la fenêtre 4. L'étagère est où Les chemises sont sur le meuble. 2. Le dictionnaire est sur l'étagère. 3. Le cahier n'est pas sur l'étagère. 4. Le cahier est sous la table. Qui est-ce C'est -ce est Nao. Nao Elle est chinoise Non, elle est japonaise, elle est de Tokyo. Eh, elle est très mignonne Oui, et elle est très sympa. Tu as son numéro de téléphone Son numéro de téléphone Non. Et elle est mariée. Mariée Mais elle est très jeune. 1. Qui est japonaise 2. Est-ce qu'elle vient de Tokyo 3. Est-ce que Nao est célibataire 4. Est-ce que Nao est jeune Nao est japonaise 2. Nao est célibataire 3. Nao est âgée 1. Elle est de Tokyo. Elle est de Tokyo. 2. Elle est très mignonne. Elle est très mignonne. 3. Elle est mariée. Elle est mariée. 4. Elle est très jeune. Elle est très jeune. Je vais en Espagne. Je vais en Espagne. Est-ce que je vais en Espagne? Vais-je en Espagne? Tu vas en Égypte. Tu vas en Égypte? Est-ce que tu vas en Égypte? Vas-tu en Égypte Il va en Turquie. Il va en Turquie Est-ce qu'il va en Turquie Va-t-il en Turquie Elle va en Belgique. Elle va en Belgique est-ce qu'elle va en Belgique Va-t-elle en Belgique On va au Brésil. On va au Brésil Est-ce qu'on va au Brésil Va-t-on au Brésil Nous allons au Japon. Nous allons au Japon Est-ce que nous allons au Japon Allons-nous au Japon Vous allez en France Vous allez en France Est-ce que vous allez en France Allez-vous en France ils vont aux États-Unis. Ils vont aux États-Unis. Est-ce qu'ils vont aux États-Unis Vont-ils aux États-Unis Elles vont au Canada. Elles vont au Canada Est-ce qu'elles vont au Canada Vont-elles au Canada Je suis, tu es, il est, elle est, on est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. La nationalité 1. Est-il français 2. Est-il italien 3. Est-elle française 4. Est-elle italienne La profession 1. Est-il étudiant 2. Est-il employé 3. Est-elle étudiante 4. Est-elle professeur L'origine. Est-elle de Montréal 2. Est-elle de Pékin 3. Est-il de Berlin 4 est-elle de londres? pluriel. la nationalité. un. sont-ils français? deux. sont-elles japonaises? trois. sont-ils américains? quatre. Sont-elles américaines La profession 1. Sont-ils musiciens 2. Sont-elles musiciennes 3. Sont-ils ingénieurs 4. Sont-elles employées L'origine 1. Sont-elles de Marseille 2. Sont-ils de Lille 3. Sont-elles de Bordeaux 4. Sont-ils de Lyon Écoutez et répétez. Paul a 33 ans. Il travaille. Il est professeur. Il habite à Rambouillet. C'est à côté de Paris. Il parle anglais et espagnol. Il parle aussi italien. Il n'est pas français. Il est canadien. Mélanie est jeune. Elle a 19 ans. Elle ne travaille pas. Elle n'est pas lycéenne. Elle est étudiante. Elle parle anglais et coréen. Elle habite à Nantes. Elle est française. Juan n'est pas jeune. Il a 39 ans. Il travaille. Il est employé. Il travaille à Nantes. Mais il n'habite pas à Nantes. Il parle anglais. Est français. Il est espagnol. Tonio est italien. Il est jeune. Il a vingt ans. Il est étudiant. Il habite à Rome. Il parle français et anglais. Il est aussi acteur. Vocabulaire. Regarder un film. Parler. Étudier. Travailler. Communiquer. Trouver. Penser. Utiliser. Écouter. Marchez bien. Mémoriser. Qu'est-ce que tu regardes Je regarde un film en allemand. Ah bon Tu parles allemand Oui. J'étudie l'allemand depuis deux ans. Je travaille avec des Allemands. Alors, je communique avec eux en allemand ou en anglais. Tu ne trouves pas ça difficile je pense que l'allemand est difficile au début. Mais j'utilise une bonne méthode. Ah oui. Tu utilises quelle méthode? J'écoute des dialogues tous les jours. Et c'est efficace? Oui, ça marche bien. Je mémorise aussi des listes de vocabulaire. Oui, alors là. Non merci. Je n'aime pas du tout mémoriser les listes. Vincent étudie quelle langue 2 Depuis combien de temps 3 Pourquoi est-ce qu'il étudie cette langue 4 Vincent utilise quelle méthode Bonjour. Au revoir. Je m'appelle. Je suis professeur. Je suis français. Vous êtes chinois. Vous êtes chinoise. Vous êtes anglaise. Vocabulaire. Bonjour. Au revoir. Je suis. Vous êtes, j'habite, vous habitez à Lille, à Paris, à Lyon, français, française, anglais, anglaise. Chinois, Chinoise, Japonais, Japonaise, Étudiant, Étudiante, Professeur, Employé. Moi aussi. Vous aussi. Oui. Non. Ça va. Ça va. Écoutez et répétez. Bonjour. J'habite à Paris. Je suis français. Bonsoir. Je m'appelle Vincent. Je suis français. J'habite à Lyon. Je suis professeur. Vous êtes professeur. Vous êtes professeur. Employé. Employé. Étudiant. Étudiante. Vous êtes employé Vous êtes étudiant Vous êtes étudiante J'habite à Paris et vous J'habite à Lyon et vous J'habite à Lille et vous Vous êtes japonais. Vous êtes japonais. Vous êtes japonaise. Vous êtes japonaise. Vous êtes chinois. Vous êtes chinois. Vous êtes chinoise. Vous êtes chinoise. Vous êtes anglais. Vous êtes anglais Vous êtes anglaise. Vous êtes anglaise Oui. Non. Moi aussi. Vous aussi. Merci. Au revoir. Ça va Ça va. Vous êtes monsieur Je suis Paul Bernard. Mon prénom est Paul. Et mon nom de famille est Bernard. Vous êtes anglais Non. Je suis canadien. Je suis de Vancouver. Vous êtes en France pour le travail Oui et non. Je suis écrivain. Je suis toujours en vacances. Question 1. Quel est son prénom 2. Quel est son nom de famille 3. Quelle est sa nationalité 4. Quelle est sa profession Vrai, faux. 1. Il est anglais. 2. Son prénom est Bernard. 3. Il est de Vancouver. 4. Il est écrivain.